tous, merci de nous rejoindre. Et oui, c'est la quotidienne qui commence. Au programme de l'émission, nous parlerons athlétisme avec à nouveau un invité dans ses sports. Puis Mara nous emmènera dans l'espace. Vous verrez que des expériences scientifiques sont effectuées en permanence juste au-dessus de nos têtes. Puis nous reviendrons sur Terre, enfin sur le sable, puisque Davina nous emmène au Vanuatu. On parlera des dessins sur sable. Et pour finir, dans Grandeur Nature, Camille nous parlera de culture in vitro. C'est tout de suite, juste après notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Madame Isabelle Dehas, qui est donc la directrice de la compagnie Théâtre Pacifique et Compagnie. Bonjour Madame Dehas. Bonjour Chloé. Alors, on va commencer par faire un petit rappel sur cette compagnie, justement. Alors, Pacifique et Compagnie, depuis quand ça existe et pourquoi? Alors, Pacifique et Compagnie est une troupe de théâtre qui a été créée fin 1996, donc ça fait un bail maintenant, ça va faire notre 19e année d'existence cette année. Elle a été créée pour plein de raisons. D'abord parce que c'est mon métier et que j'avais envie de continuer à développer le théâtre en Nouvelle-Calédonie. Parce que quand je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie en 91, il n'y avait quasiment pas de théâtre, donc il y avait tout un terrain à défricher. Et j'avais déjà rassemblé autour de moi, au sein d'ateliers théâtre, des gens qui avaient suivi mes cours et qui avaient envie de poursuivre une pratique plus amateur et un peu plus développée du théâtre. Donc on a créé ensemble, avec cette douzaine de personnes, ce groupe de 12 personnes, cette compagnie qu'on a appelée Pacifique et Compagnie, pour pouvoir élargir après l'arrivée de personnes au sein de ce groupe. Donc d'accord. En 96, ce groupe a créé la compagnie. Et en 97, on a créé notre premier spectacle qui s'appelait Traversée et qui nous a permis surtout de faire appel à des auteurs calédoniens, ce qui n'avait encore jamais été fait à l'époque, de solliciter des auteurs calédoniens pour écrire une pièce. D'accord. Donc au début, ça commence en amateur et puis vous êtes professionnalisé par la suite? Ça s'est très, très rapidement développé. Donc moi, parallèlement, j'avais une école de théâtre où je donnais des cours. Donc j'avais créé ma propre école après être sortie des ateliers de la ville de Nouméa. Et la demande était de plus en plus forte au niveau des formations, de l'enseignement, mais également au niveau de la diffusion de spectacles. Donc on a commencé à monter des groupes un peu plus professionnels avec la diffusion de spectacles qui allait au-delà de Nouméa et du Grand Nouméa. Et très rapidement s'est posé la question de la disponibilité des comédiens. Quand on commence à tourner, il faut être disponible. Et on était deux professionnels au sein de cette compagnie et on n'arrivait plus à répondre à la demande. Donc, on s'est professionnalisé en 2003, la troupe est devenue permanente et professionnelle. D'accord. Et vous êtes ensuite donc diversifié puisque vous... On s'est très rapidement diversifié. Alors, pourquoi on se diversifie? Parce que c'est plus intéressant de travailler sur plein de domaines. Oui. Parce qu'on aime bien être aussi un peu des agitateurs d'idées, faire réfléchir, utiliser le théâtre comme outil de outil nécessaire à la cité, à tout le monde. Donc on s'est diversifié dans bien de domaines. Donc on a effectivement toujours la création et la diffusion de spectacles, qui est quand même notre première activité. Mais on enseigne toujours, on a une grosse école aujourd'hui qui draine des centaines de personnes. Et puis on fait aussi, on a tout un secteur de prévention, de happening, théâtre forum, où on aborde des sujets très variés comme les conduites addictives, la sexualité, les thématiques sur lesquelles on travaille avec l'agence sanitaire et sociale, les DEPAS, Province Nord. On travaille sur des sujets comme la violence, le respect, la parentalité avec différentes communes, avec une forme de théâtre interactif donc où on alterne des scènes jouées et des débats. D'accord. Avec des professionnels des sujets. Mmh. On a aussi tout un secteur résidence maintenant. On essaie de partager tout ce qu'on sait faire avec d'autres artistes de la zone pacifique. On a pas mal travaillé avec Wallis et Futuna, avec Tonga. On démarre une grande aventure avec Fidji. On a aussi tout un secteur théâtre et qu'on appelle théâtre et partage, où là on partage tout ce qu'on sait faire avec des jeunes. Alors en fonction des projets et en fonction des communes, ça peut être des projets très différents, mais on amène en tout cas des jeunes à réfléchir un peu au monde dans lequel ils vivent et d'avoir un esprit plus critique sur ce qui les entoure. D'accord. Alors nous, on va s'intéresser à la partie résidence, donc la partie pacifique de Pacifique et Compagnie. Vous avez donc réalisé différentes résidences artistiques. Vous avez commencé donc à Wallis et Futuna, par exemple. Vous êtes allé l'année dernière à Tonga et à Fidji. Et Fidji, donc, ça fait longtemps que vous y retournez, en fait. Tonga. Tonga, pardon. À Tonga. Alors racontez-nous un petit peu. Je commence par quoi? L'aventure. On va commencer par Wallis. Allez. Alors Wallis et Futuna, ça s'est terminé il y a 2 ans. Au moment des mini-jeux, mais on est allé à Wallis et Futuna chaque année pendant 8 ans, avec un programme très similaire à tout ce qu'on fait ici. Donc avec la diffusion de spectacles, avec des encadrements d'ateliers en milieu scolaire, en atelier loisirs, avec du théâtre forum aussi,
avec du match d'impro aussi, qui est une de nos spécialités, avec une association qui s'appelle Café Fallé, qui gère une petite bibliothèque de prêt sur Mata-Utu. D'accord. Et donc là, c'était des grosses résidences, puisqu'on partait toute l'équipe ensemble pendant 3 semaines. Ah oui. Et pendant 3 semaines, on se posait à Wallis et Futuna et on vivait avec la population de Wallis et Futuna, avec des spectacles décentralisés sur l'ensemble de l'île, etc. D'accord, donc vous donnez des spectacles. Est-ce que vous formez aussi les Alors, jeunes? Sur Wallis et Futuna, on ne formait pas tellement de jeunes en professionnel. On a essayé de le faire sur notre dernière résidence. On a essayé de rassembler un groupe de jeunes pour essayer de pérenniser la pratique théâtrale sur Wallis et Futuna. Et puis après, on a perdu le contact avec Café Fallé, donc les membres ont changé, donc ça n'a pas pu se pérenniser, à notre D'accord. grand regret. Ah oui, c'est dommage. Mais on avait commencé à travailler là-dessus, sur cette idée-là. Ouais. D'accord. Donc Wallis et Futuna, c'est un des seuls pays francophones, au final, que vous avez visité avec vos résidences. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes allé ensuite donc, à Tonga, à Fidji. Alors ensuite, on a rencontré des artistes d'une association qui s'appelle On the Spot, à Tonga. On les a rencontrés lors du Festival des Arts du Pacifique qui se déroulait à Pago Pago, au Samoa, en 2008. On était allé à Pago Pago avec des matchs impro. Alors pourquoi des matchs impro? D'abord parce que dans ce cadre de festival, c'est toujours très compliqué des installations trop techniques d'un spectacle. D'accord. Alors qu'un match impro, ça a la capacité de se poser n'importe où. Et puis, deuxième raison, c'est la match impro. La forme match permet aussi à un moment d'avoir notre équipe d'un côté et l'équipe de comédiens d'autres compagnies de l'autre côté, ou de mélanger ce qu'on a plutôt fait d'ailleurs des comédiens d'équipe de la délégation calédonienne et puis d'autres délégations d'autres pays. On a fait des matchs avec des comédiens de Hawaï, avec des comédiens de Tonga, avec des comédiens de différentes îles. Et donc, c'est quand même le principe aussi de ces festivals, c'est de permettre cette rencontre-là entre artistes. Donc, ça a très très bien marché. Et les artistes de Tonga, donc de On the Spot, qui venaient de créer cette association pas longtemps auparavant, avec l'objectif de permettre à des jeunes de Tonga un peu paumés, grâce à l'art, à l'expression artistique, de se remettre en selle. Quand ils nous ont vus en match d'impro, ils ont dit « on veut savoir faire ça, c'est ça qu'on veut faire ». Donc on a sollicité différents partenaires financiers pour mettre en place une résidence l'année suivante, notamment la coopération régionale du gouvernement qui nous aide beaucoup. Et on est allé les retrouver à Tonga en 2009. D'accord. Pour une semaine, pour tester un peu, voir si leur envie de savoir faire ça, oui. c'était réel et ou donc, s'ils avaient déjà oublié. Non, c'était réel. Oui. On a fait une très très belle rencontre. Ouais. Un comédien tongien, un tongien qu'on a rencontré avait un vrai talent. Ont toujours un vrai talent. Et on a passé une semaine haute voltige avec eux. C'était assez impressionnant. Donc on a décidé de pérenniser cette action avec eux. On y est retourné en 2010, en 2011, en 2012. Et puis le Centre culturel Chibaou s'est intéressé à ce projet-là et nous a proposé de les inviter avec un spectacle en 2013. Donc on a partagé avec eux les outils de la création théâtrale, on les a accompagnés sur la création d'un spectacle. Donc cette fois, avec leurs envies, leurs sujets, ce qu'ils avaient envie de mettre dedans. Et c'est eux qui sont venus début 2013, au mois de mai. Ils ont joué Kuunga au Centre culturel Chibaou. En anglais ? En anglais, surtitré en français, avec un système de bulles comme dans les BD. Donc sur scène ? Tu vois la bulle qui suit le personnage. Ah, c'est marrant ça. Que ce soit plus difficile, ouais, ça marchait très très bien. Puis ça allait bien avec le style du spectacle, qui était à la fois très drôle, qui parlait de l'intergénérationnel et de la perception des anciens, des jeunes, de la modernité, un sujet intéressant. D'accord. Et puis, on a tourné dans le Nord avec le chapiteau à Uegua. La population a bien aimé aussi. Et on est retourné les voir cette année donc avec un programme de partage d'outils du Théâtre Forum, qui est quand même un type de travail très particulier pour qu'ils aient plus d'outils pour se professionnaliser. Aujourd'hui à Tonga, il y a donc plusieurs troupes de théâtre, il y a une petite école qui s'est créée, donc ça se développe, pratique théâtrale se développe maintenant. D'accord. Vous avez des projets pour 2015 de résidence dans le Pacifique ou alors même dans le Nord ? Alors l'année dernière, à la suite de la résidence à Tonga, on est allé à Fidji. On travaille avec l'ambassade de France à Suva, avec l'Alliance française. On y est allé un peu, une résidence d'une semaine, pareil, pour tester, voir s'il y avait une envie. Il n'y a pas de théâtre à Fidji, ou très très peu. D'accord. Il y a un tout petit peu de théâtre amateur, il y a quelques auteurs. Mais il n'y a pas une pratique professionnelle, et pourtant il y a 900 000 habitants. Donc on a travaillé pendant une semaine avec des artistes qui sont plutôt danseurs, donc les danseurs de la troupe de Vau, les danseurs de l'Oceania Center. Et pour voir s'il y avait une demande, si ce qu'on partageait, ce qu'on avait à partager, si ça intéressait les artistes de Fidji. Et au bout d'une semaine, on s'est dit oui, ça intéresse, c'est une vraie demande. Donc on est en train de mettre en place pour 2015 une résidence un peu plus longue, où on va refaire un chemin, comme on a fait à Tonga, de partage de savoir-faire, d'outils de la création théâtrale,
et d'essayer d'accompagner l'émergence d'une pratique théâtrale amateur et professionnelle. D'accord. Et des projets de spectacles dans le Nord ou sur la Calédonie en général? Cette année? Oui. Oui, plein. Oui. On a créé l'année dernière un spectacle qui s'appelle Mange ta soupe, qui est un spectacle plutôt pour ados, mais aussi pour adultes, qui parle de qu'est-ce que ça veut dire grandir dans ce pays, qu'on a pas mal tourné l'année dernière et qu'on va continuer à tourner cette année, pas mal avec le chapiteau aussi. On a un autre spectacle jeune public qui s'appelle Le fil perdu, qui tourne depuis pas mal d'années, qui continue à tourner parce que c'est un spectacle interactif qui n'est jamais le même en fait. D'accord. Puisque c'est deux comédiens qui déboulent dans une salle de classe en ayant perdu leur histoire et ils reconstruisent une histoire et la rejouent avec les enfants. Avec les élèves. Donc l'histoire n'est jamais la même, une fois sur l'autre. Et on est en création sur deux spectacles cette année. Donc on a un premier spectacle qui va s'appeler probablement La rage de vivre, mais ce n'est pas encore sûr, qui est sur le thème du handicap. Qu'est-ce que ça veut dire d'être handicapé, d'être aveugle, sourd ou en fauteuil? Quels sont les préjugés, les regards des autres? Comment je mène ma vie? Et pourquoi ces gens-là ont l'air d'avoir une rage de vivre qui est assez impressionnante, enfin, en tout cas ceux qu'on a rencontrés. Et puis un deuxième spectacle un peu plus tard dans l'année sur le thème des voisins. Les voisins. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de vivre les uns avec les autres quand on n'a pas la même culture, la même religion, la même orientation sexuelle. Comment on se regarde pourquoi? Parce qu'il y a un événement particulier aujourd'hui, du coup on va être obligé de se parler différemment, etc. D'accord. On peut vivre ensemble, le grand sujet du pays. D'accord. Alors là, c'est le début de la saison. Donc c'est aussi le moment des inscriptions. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut s'inscrire dans votre campagne? Si on veut faire du théâtre, si on ose vouloir faire du théâtre, si on n'a pas peur du ridicule et de se mettre en scène devant les autres, on a donc notre école de théâtre qui reprend au mois de mars. Il nous reste quelques places dans tous les groupes. Donc il y a des groupes qui démarrent à l'âge de 7 ans. Il y a des groupes de 7-9 ans, 9-11 ans, 11-13 ans, 13-15 ans, 15-18 ans, puis des groupes adultes, première, deuxième, troisième année. Et si on a envie d'avoir des infos, si on a envie de s'inscrire, on appelle le 27-92-11. 27-92-11, voilà. Et puis vous avez également une page Facebook et un site internet. On a une page Facebook, un site internet, on développe aussi des ateliers sur la commune du Mont-d'Or en partenariat avec le Centre culturel du Mont-d'Or, à Païta, en partenariat avec le doc de Païta, donc. Quel que soit le lieu où on vit, on peut aller faire du théâtre. Et dans le Nord aussi? Alors dans le Nord, on le fait, mais de manière plus ponctuelle, pas sous forme d'atelier hebdomadaire. D'accord. Donc en fonction de la demande, on peut intervenir sous forme de stage ou pendant les vacances, d'atelier intensif. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Dehaze, d'avoir accepté notre invitation. L'invitation. On passe à l'agenda avec Davina, c'est tout de suite. Salut Davina. Salut Chloé et salut à vous à la maison. Donc aujourd'hui on va du côté du Vanuatu, je t'emmène pour aller assister à un rituel qui se passe donc sur l'île de Pentecôte. Il s'agit du fameux saut du gol, donc très très connu et très très impressionnant aussi à voir. Carrément. Donc voilà, il a lieu toujours au mois de mai parce que c'est là en fait que les lianes sont les plus dures. Tu sais, les lianes qui servent à attacher les pieds des participants, c'est à ce moment-là qu'elles seront les plus solides. Okay. Voilà. Il faut savoir quand même qu'il faut qu'elles tiennent pour des sauts qui peuvent aller quand même à des hauteurs vraiment impressionnante. Je sais que les plus hautes branches de l'arbre d'où il sort justement sont quand même à 35 mètres de haut, t'imagines? Ah oui, c'est donc intérêt quand même que ça tienne, quoi. Ouais, ouais, quand même. Alors, est-ce qu'on sait d'où vient cette coutume? Parce que c'est quand même un peu spécial de se jeter dans le vide juste accroché à une liane. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est lié aussi à une légende, mais tu le sais, hein, tous les événements culturels comme ça du Vanuatu ancestraux, ils sont toujours liés à une légende. Donc la légende là qui est liée au saut du gol, elle est liée à Tamali, donc c'était un jeune homme qui devait rattraper sa femme parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage, donc elle ne voulait pas de son mari. Elle s'est sauvée. D'accord. Et elle a donc s'est réfugiée dans cet arbre. Et comme lui aussi est monté pour la rattraper, elle a décidé de sauter. Sauf que la maline, elle s'était attachée les pieds et lui, non. Ah. Donc elle s'est relevée et pas lui. Donc depuis ce triste jour, les hommes ont la mission de montrer aux femmes qu'ils sont forts. Et prennent une question d'honneur. Voilà, question d'honneur. Ils prennent un peu leur revanche aussi sur leurs femmes en disant nous aussi, on sait sauter et on va relever l'honneur des hommes. Donc voilà. Après, coutumièrement, on dit aussi que du fait de ce saut, les hommes, quand ils touchent de leurs épaules le sol, ils fécondent aussi le sol en question et ça permet une bonne récolte pour
l'année suivante. D'accord. Bon, mais en tout cas, bon courage à tous ceux qui participeront donc cette année. Et pour la suite, on parle de quoi ? Eh bien, pour la suite, on va direction Nouméa pour parler de la Fédération des œuvres laïques qui propose donc la première session des mercredis récréatifs. Donc, la première session va du 18 février au 1er avril. Durant cette période, tous les mercredis, qu'ils soient scolaires ou pas, eh bien, tous les mercredis, les enfants bénéficieront donc d'activités au sein de l'école François Griselli. Donc, le but, c'est bien sûr d'initier les enfants en leur proposant des activités artistiques, notamment autour d'un thème pour qu'ils travaillent tous dans un même sens. D'accord. Alors du coup, tu disais la première session va jusqu'au 1er avril. Est-ce que ça veut dire que les enfants sont pris en charge aussi pendant les mercredis pédagogiques ? Oui, tout à fait. Tu as raison de le préciser. Alors, ils sont pris en charge tous les mercredis, que ce soit pédagogique ou scolaire, enfin qu'ils aillent à l'école ou pas. Donc, les jours où ils n'auront pas cours, ils sont accueillis à partir de 7h15 et ce jusqu'à 17h30. Et puis, les jours où ils auront école, eh bien, ils pourront venir à partir de 10h45 et jusqu'à 17h30. Donc pour ceux qui souhaiteraient donc avoir des renseignements, je vous laisse le numéro de téléphone, le 27 21 40. Attention, il y a plusieurs documents qui vous seront demandés lors de l'inscription et notamment il faudra fournir le carnet de santé pour qu'ils puissent faire une copie des vaccinations qui ont été faites pour le joindre au dossier de l'enfant, tout simplement. D'accord. Et puis ensuite, on va à Dimbéa. On parle de l'ouverture d'une école de théâtre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la ville de Dimbéa et l'école du cirque de Nouvelle-Calédonie vont prochainement ouvrir une école de théâtre au centre culturel de Dimbéa. Donc là, il y aura bien sûr différents ateliers qui seront proposés afin de permettre aux enfants et aux ados de découvrir, de s'initier à ces différentes disciplines qui composent donc le théâtre. On le sait, dans le théâtre, il y a le mime, il y a le clown, enfin, il y a plusieurs catégories. Donc voilà, sur le long terme aussi, ça permettra à ceux qui le souhaitent de bénéficier d'une formation. Et puis pour les plus doués aussi, de se préparer au concours d'entrée pour les écoles d'art dramatique. Donc tu vois, sacré travail en perspective qui attend donc, les animateurs là-bas du côté du Centre culturel de Dimbéa. Voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire et obtenir des renseignements, il y a un numéro de téléphone pour vous, donc le 41-23-07. Juste pour terminer, je voulais donner l'info, les cours se passeront du côté de la salle de spectacle, donc les mardis et mercredis, selon des créneaux horaires bien précis qui dépend aussi de la catégorie de l'enfant, de son âge surtout. Voilà, et puis notez que pendant les vacances scolaires, il y aura aussi des activités. Donc pour ceux qui préparent déjà les vacances d'avril, pourquoi pas, voilà, proposition. Il faut anticiper, info à noter pour plus tard. Mais de toute façon, tu nous le rappelleras en temps et en heure. Oui, bien sûr. Et on continue donc avec une info concernant les coupures de courant. C'est ça, donc pour terminer en beauté, quelques petites coupures de courant électrique pour la semaine prochaine, histoire de se préparer comme il se doit. Donc ces deux coupures concernent la même commune, celle de Païta. Donc la première pour les régions du Montmou et du lycée Anova, le mardi 10 février, donc de 8h30 à 15h30 pour l'entretien du réseau haute tension. Et la seconde pour la tribu de Saint-Laurent, les lotissements Alonso, Dordan, Luciano, les Haras du Lac, Nassandou, Hameau de la Cascade, Morcellement, Gabriel Luciano et Raoul Georget, Donc mercredi 11 février de 8h30 à 14h30 pour l'entretien du réseau haute tension encore une fois. Notez aussi que EEC informe les gens qu'il faut bien sûr élaguer les arbres qui sont à proximité des poteaux électriques, mais par contre qu'il faudra faire appel à un professionnel qui lui prendra les mesures nécessaires de sécurité pour éviter tout incident. Et puis aussi en période de cyclone, il est rappelé que si vous voyez un poteau électrique à terre, bien sûr, il ne faut pas le toucher ou tout autre objet qui est en contact avec ce poteau électrique. Il faudra éviter tout contact avec pour éviter tout incident malencontreux. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup Davina, on te retrouve tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure tout le monde. Quant à nous, on passe à ces sports avec aujourd'hui un invité. Je reçois aujourd'hui Monsieur José Marquez. Bonjour Monsieur Marquez. Bonjour. Vous êtes donc le président par intérim de la Ligue calédonienne d'athlétisme. Alors, première question, quelle est la situation actuelle de l'athlétisme calédonien ? L'athlétisme calédonien, comme beaucoup de sports, est un peu dans un creux de vague.
On n'est pas en difficulté, mais ce n'est pas non plus les sommets, quoi. Il y a beaucoup de travail et c'est bien, au moins, on sait ce qu'on a à faire. D'accord. Alors, pour les Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée cette année, d'anciens athlètes ont donc été rappelés, comme Frédéric Hérin pour le saut en longueur ou encore Linda Selui pour le javelot. Pourquoi avoir rappelé ces anciens athlètes pour les Jeux du Pacifique? Alors, pour commencer, anciens athlètes, ça me dérange un petit peu, ce sont des jeunes qui ont quand même une trentaine d'années. Mmh. Ce sont plutôt des cadres, ce sont des athlètes confirmés avec de l'expérience, pas plus anciens que d'autres qui ont moins d'expérience. On a des athlètes qui ont une quarantaine d'années, notamment dans les courses longues, mmh. et qui ont pourtant moins d'expérience pour certains. L'idée, c'est de réunir la meilleure équipe possible aujourd'hui. Ils font partie de la meilleure équipe possible, d'abord parce qu'ils ont le mental. Ils ont été confrontés très souvent à des compétitions de haut niveau. Ils savent se transcender et ils savent transmettre aux autres. C'est ce qu'on veut, ce sont des cadres, ce ne sont D'accord. pas des anciens. D'accord. Alors, pour un athlète calédonien, rester compétitif toute l'année, c'est assez difficile du fait qu'il n'y ait pas assez de licenciés en fait, en athlétisme, pas assez d'adversaires. Du côté de la Ligue, est-ce que vous prévoyez un plan pour rendre cette discipline plus populaire? Alors, la véritable difficulté, c'est effectivement le regroupement. Mmh. Donc, on s'en est rendu compte. C'est d'avoir une certaine densité qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui pour diverses raisons qu'on a étudiées. Si on veut rencontrer d'autres adversaires, il faut sortir. Et tout de suite, c'est un coup. C'est l'éternel problème que rencontrent tous les sportifs ou toutes les ligues. La difficulté, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. De fait, on est en train de réfléchir depuis l'année dernière sur des regroupements qui auraient lieu comme ça se faisait il y a très longtemps. Ou dans le nord, ou dans les îles, où on regrouperait l'ensemble des athlètes concernés sur des stages durant notamment les vacances scolaires. Donc ce serait plutôt, c'est pas une nouvelle approche, elle existait déjà, mais c'est reprendre ce qui se faisait et qui avait a priori fonctionné. Et qui fonctionnait, d'accord, à l'époque. Alors comment est-ce que vous expliquez que l'athlétisme qui traverse en ce moment, donc on le disait, une période un petit peu difficile. Comment est-ce que vous expliquez que pendant les championnats de France UNSS, la Calédonie, alors notamment le lycée Jules Garnier, arrive à briller parmi les meilleures délégations françaises? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La difficulté, ce sont les regroupements et les déplacements. Mmh. Les scolaires sont ensemble et on met des cars à disposition pour qu'ils puissent se déplacer. Ce qui fait qu'il y a un engouement, il y a une notion d'équipe qui existe parce que, pour certains, notamment Jules Garnier, il y a d'abord une structure qui a été mise en place, il y a une histoire derrière, et puis il y a des gens qui sont regroupés même la nuit, ils sont internes, ce qui fait que ça crée une véritable cohésion, une véritable équipe, et surtout, il y a aussi des gens de qualité autour, il ne faut pas les ignorer. Non pas qu'il n'y en ait pas en athlétisme, mais beaucoup plus difficile d'avoir les athlètes aussi souvent ensemble. D'accord. On a l'année dernière essayé sous la houlette de Serge Letocard, remettre en place des courses de demi-fond. On avait des transports en direction des différents établissements scolaires et on se retrouvait avec 100 ou 150 enfants sur le stade le soir. D'accord, donc c'est faisable, mais il va falloir trouver les moyens de les emmener et de les encadrer. Alors je vous propose tout de suite de regarder un reportage sur le champion des derniers mini-jeux du Pacifique. Lancé de marteau ou de poids, ces deux engins n'ont plus aucun secret pour lui. Rencontre avec Erwan Cassi. Depuis un peu plus d'un an, je gère ici mon groupe de lanceurs sur le Boulari au Mont d'Or. Et pour l'instant, ça marche bien. C'est dur de mixer les deux parce que j'ai envie de continuer à lancer. Je suis encore athlète. Je prépare là cette année les Jeux du Pacifique. Et en même temps, je dois préparer mes jeunes qui partiront au championnat de France et feront des matchs internationaux dans le Pacifique.
Alors, séances d'entraînement sont coupées en plusieurs phases, phase de renforcement, renforcement musculaire. Les plus grands vont faire de la musculation dans la salle, les autres vont faire du renforcement. Il y a la préparation, la PPG, préparation physique générale. Ils courent, ils sautent, ils font des abdos, tout ça, ça. C'est tout un ensemble, comme dans tous les sports. Obligé d'avoir ça. Et bien sûr, l'aspect le plus important, c'est la technique, parce que ça, c'est, on est là pour ça, on est surtout là pour lancer. Du coup, il faut qu'il lance le plus souvent possible, que ce soit le marteau, le javelot, le disque ou le poids. Plusieurs aspects techniques, on leur donne au fur et à mesure par rapport à ce qu'on a appris et ce qu'on a vécu. Du coup, là, ça me fait plaisir de faire partager ça, surtout que après, ça fait bizarre de voir la plupart, ils ont 10 à 14 ans de moins que moi. Du coup, ça me fait rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais comme eux. Donc, ça, la roue tourne, on va dire, et je suis maintenant de l'autre côté de la cage à regarder ce qu'ils font à l'intérieur. J'ai commencé l'athlète il y a environ 15 ans, j'étais vraiment très jeune. C'était par rapport à mes parents, comme ils faisaient aussi de l'athlétisme auparavant. Ils ont fait les Jeux du Pacifique, Championnat de France, tout ça, donc c'est un peu normal que je poursuive dans cette carrière. Et depuis maintenant 15 ans, j'ai fait divers championnats dans le Pacifique, au Championnat de France. Même j'ai réussi à atteindre le niveau international en intégrant plusieurs fois l'équipe de France. J'ai fait notamment Championnat d'Europe junior, Championnat du monde junior, et plusieurs matchs méditerranéens. Et donc, et depuis, également dans le Pacifique, les Jeux du Pacifique, les mini-jeux, les championnats d'Australie, les championnats de Nouvelle-Zélande, les Océania. Donc, depuis 15 ans, maintenant, je me balade à droite, à gauche. Maintenant, depuis que j'ai trouvé un bon travail, ben, j'ai trouvé le rythme de, comment dire, pour m'entraîner, pour allier le travail professionnel et la vie d'athlète. C'est sûr, le meilleur, ce serait de s'entraîner tous les jours. En gros, pendant un moment, je m'entraînais 5 à entre 8 et 10 fois par semaine quand je faisais que ça, quand je restais en Nouvelle-Zélande. Et depuis que je suis revenu, ben, il a fallu travailler, il a fallu gagner sa vie, quoi. Donc, les entraînements sont passés à 5 fois par semaine, 4 fois, 3 fois des fois. Mais bon, c'est la vie et il faut s'y accrocher. Si on participe à des compétitions internationales, on a un certain statut, mais peut-être pas forcément le statut pour pouvoir en vivre. Pour pouvoir faire de l'athlétisme sa vie, il faut déjà partir de Calédonie, aller s'entraîner en France, parce que là-bas, le niveau est meilleur. Ici, on a les compétences pour, mais voilà, il y aura beaucoup plus de concurrence en métropole. Et ça, c'est un tremplin de départ pour ensuite aller, par exemple, sur les États-Unis. Il y a beaucoup de propositions pour aller là-bas. Il y en a qui vont aussi en Allemagne, il y en a qui vont en Espagne. Du coup, c'est vraiment, pour moi, la première chose, c'est partir d'ici et revenir ici plus tard. Pendant janvier, février, même jusqu'en mars, ça sera vraiment une préparation foncière, pour amener du foncier jusqu'à la performance pour les grandes compétitions. Bien sûr, entre-temps, il y aura des compétitions de préparation, mais comme j'ai dit, ces préparations, c'est pour s'orienter vers la phase de compétition. Pour moi, ce sera les Jeux du Pacifique en juillet. Avec plusieurs autres athlètes, hein, donc notamment comme Atana, Takusi, comme Tezio Toto. On va dire que c'est les anciens qui préparent les Jeux du Pacifique et les plus jeunes, eux, vont en plus aller vers la métropole, championnat de France, cadet junior. Et les beaucoup plus jeunes, on va dire les minimes, eux, ils auront un match international, francophone et dans le Pacifique avec Tahiti et Wallis et Futuna. Ce sera la troisième édition et normalement avec la participation de la Nouvelle-Zélande. Ça se déroulera sur Tahiti.
le manque de compétition, c'est un peu le problème majeur des athlètes du pays. Est-ce que vous comptez organiser prochainement une compétition internationale à Nouméa avec donc des grandes pointures du Pacifique et du monde entier? Alors c'est prévu effectivement, on est en pourparler pour l'instant. Il devrait y avoir fin mars un meeting international. Les autres années, il avait lieu en novembre, on faisait venir essentiellement des gens de métropole. On s'est rendu compte que ça coûtait très cher, pas toujours pour quelque chose d'intéressant. Donc de fait, la nouvelle CTS qui est arrivée doit repartir dans 2 jours au congrès des Océania et va prendre de l'Océania et va prendre contact avec les gens qui sont là-bas pour voir les gens qu'on pourrait faire venir lors de ce meeting. Alors c'est un meeting conjoint avec la Ligue de Handisport justement, puisque on a décidé de faire un grand groupe athlétisme. Une des réponses aussi éventuellement au fait qu'il n'y a pas d'attraction. Donc c'est prévu, effectivement. Mais c'est prévu, on le fait là, dans le cadre de la préparation des Jeux. On va faire revenir aussi nos athlètes qui sont expatriés en métropole pour des études, notamment. D'accord. Alors comment ça se passe lorsque les athlètes se déplacent pour les compétitions à l'étranger? Est-ce que c'est la Ligue qui prend en charge? C'est la Ligue qui prend en charge. Donc on établit un budget qu'on soumet à la Jeunesse et Sport pour avoir des subventions. Mais effectivement, la plus grosse part est prise en charge par la Ligue. Alors, charge à nous de trouver des financements. Il y a une participation des athlètes dans le cadre de tout ce qui est vie autour de la compétition, on va dire. Mais effectivement, c'est pris en charge et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire d'énormes déplacements et trop souvent, parce que ça a un coût. D'accord. Alors, il y a un autre problème dont parlait Erwan justement dans le reportage, c'est que tous ces athlètes qui ont quand même un très bon niveau, ils ont tous un travail en fait à côté. Et donc, ils ne peuvent pas parfois même s'entraîner ou alors partir pour des compétitions. Comment ça se passe? C'est ça. C'est aussi l'explication du fait qu'il y a une énorme déperdition entre le scolaire et l'après-scolaire, parce qu'il y a entre les deux ce qu'on appelle la vie, la vie de tous les jours. Il y a des gens qui deviennent adultes, qui sont censés trouver un travail. Et ensuite, il y a des contraintes qui vont avec. Il y a des possibilités d'entraînement qui disparaissent. Donc là, par exemple, c'était notamment le cas de Frédéric Hérin. Il a fallu faire une demande. On n'a toujours pas la réponse aujourd'hui pour qu'il ait des créneaux de libre pour pouvoir s'entraîner et participer aux compétitions autrement que sur ses vacances propres. Ce n'est pas décent de demander à une personne de sacrifier ses vacances pour pratiquer un sport, surtout pour faire briller un pays. Quoi. Oui. C'est ça le vrai problème. Et devenir professionnel, à ce moment-là, ce n'est pas une solution. Devenir professionnel, il y a peu de gens qui en vivent. L'athlétisme, d'abord, ce n'est pas vraiment quelque chose qui rapporte financièrement. Et souvent, en métropole, ça se voit aussi. La plupart sont des fonctionnaires territoriaux ou ils appartiennent à des collectivités et c'est par ce biais-là qu'ils arrivent à obtenir des plages d'entraînement. Ils sont payés pour un métier, on en trouve un peu partout, dans les douanes, dans les postes, des choses comme ça. Dinis, qui est champion olympique de marche et travaille au poste. Donc ils ont tous des métiers plus ou moins associés aux fonctionnaires. Ce qui permet d'avoir du temps de libre pour s'entraîner, mais ce ne sont pas de vrais professionnels. D'accord. Alors, quel sera le plan d'action de la Ligue et les objectifs qu'elle s'est fixés pour 2015? Alors, 2015, c'est simple. Aujourd'hui, ce sont évidemment les Jeux à gagner. On a passé un contrat un peu avec le CTOS. Il attend de nous 20 médailles d'or, c'est-à-dire 2 de plus que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Évidemment, ils ont mis la barre un peu plus haute. Wallis, c'était 18. Mini-jeu de Wallis, donc ils en attendent 2 de plus. Aujourd'hui, on va dire à 4 mois de la préparation, sur le papier, pas sur le terrain évidemment, mais sur le papier, nous avons la moitié qui semble bien engagée. L'autre moitié, ce sont des gens comme Frédéric Hérin, en fonction du fait qu'ils puissent reprendre sérieusement un entraînement ou pas. D'accord. On peut espérer d'eux. Enfin, qui donne le meilleur, ça on en est sûr, mais on peut espérer d'eux aussi qu'ils soient sur la meilleure marge du podium. D'accord. Donc, a priori, même si on est dans le creux de vague, même si on n'est pas capable de toujours répondre, ce qu'on sait, c'est qu'en cas de besoin, on est capable de regrouper nos troupes et qu'elles soient présentes le moment nécessaire. Très bien. Donc, pour ça. On vous souhaite bonne continuation, bon courage en tout cas pour les Jeux. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on rejoint Mara pour La Science et Nous.
Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Est-ce que tu te rappelles, Chloé, de ce que c'est que la Station Spatiale Internationale, l'ISS? Oui, c'est un espèce de gros laboratoire qui se trouve dans l'espace, si je me rappelle bien tes chroniques. Oui, un laboratoire scientifique, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est le plus gros objet qui ait jamais été envoyé dans l'espace par l'homme. Vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. Elle est en orbite au-dessus de nos têtes, à 320 km de hauteur, et son équipage est présent en permanence pour y mener des expériences scientifiques dans des conditions physiques exceptionnelles. Alors, c'est une station internationale, ça veut dire qu'elle contient des astronautes de partout. Oui, oui, oui. En tout cas, 16 pays, notamment les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada et de nombreux autres États membres de l'Agence spatiale européenne ont travaillé ensemble pour construire cette station. Et par exemple, en ce moment même, elle est occupée par 6 astronautes. Alors, il y a 3 Russes, 2 Américains et un Italien. Mais cet équipage va changer. Il se relaie, bien sûr, il ne reste pas non plus des mois et des mois dans l'espace. D'accord. Donc, ouais, en gros, il y a tout le temps des gens dans l'espace en train donc de faire des expériences scientifiques dans cette station. Exactement. Exactement, oui, en train de réaliser donc des expériences et puis aussi mais en train de vivre hein, surtout, parce que voilà, il faut s'entretenir quoi. Hein. On a vu un reportage avec Élise il n'y a pas longtemps qui montrait que ça demande beaucoup d'exercice de vivre dans l'espace. Et puis cette station internationale, c'est un peu comme une île finalement qui sera entourée d'une grande mer de vide. Ah ouais, d'ailleurs, ils doivent emmener de sacrées cargaisons de matériel et de provisions avec quand ça arrive. Ouais, ouais, c'est clair, mais ils ont aussi besoin d'un approvisionnement qui soit régulier. Il faut qu'on leur amène des provisions à manger, de l'eau, de l'air aussi, et puis bah, du matériel pour leur travail. Et tout ça, il faut que ce soit fait régulièrement. Alors du coup, il y a des vaisseaux cargo qui sont en charge de ça, des vaisseaux sans équipage qui amènent les provisions en provenance de la Terre. Et le dernier approvisionnement, c'était quand par exemple? Alors il y a plusieurs vaisseaux cargo qui vont à l'ISS, mais le dernier à y être allé et qui y est encore d'ailleurs, il y est en ce moment même, c'est la capsule Dragon d'une société privée américaine. En fait, la NASA a des partenariats comme ça avec des privés qui se chargent de construire ces vaisseaux cargo pour eux. Et donc cette capsule Dragon, elle a été lancée depuis la Floride le 10 janvier dernier avec la fusée Falcon 9 et elle s'est amarrée lundi 12 janvier à la Station Spatiale Internationale. Amarrée, comme un bateau à quai. Quoi. Voilà, avec une attache un peu plus sophistiquée quand même, on va dire, c'est pas juste une corde, mais sinon c'est le même principe. En fait, le vaisseau est saisi par un bras robotisé qui est manipulé par un des membres de l'équipage, puis amarré quelques heures plus tard, le temps de la manipulation sur l'ISS. Alors qu'est-ce qu'il a amené ce dragon à l'ISS? Alors il a livré 2,2 tonnes de fret à l'ISS, dont des provisions pour les 6 membres de l'équipage, une caméra IMAX et des pièces de rechange, du matériel et des équipements d'expérience scientifique. Et puis aussi des petits messages de la famille pour les astronautes. C'est des humains quand même. Alors qu'est-ce qu'ils apportent par exemple comme matériel? Ils font quoi comme expérience scientifique? Tout un tas de choses. Mais parmi le matériel d'expérience scientifique qui a été amené par le Dragon cette fois-ci, il y a notamment un instrument pour mesurer la distribution des nuages dans l'atmosphère. Et ça, c'est très intéressant, cet instrument. Il va permettre de détecter les particules fines qui sont en suspension dans l'atmosphère. Il sera installé à l'extérieur de l'ISS et du coup, il pourra potentiellement, en tout cas, détecter des indications importantes du changement climatique et aider dans les prévisions météorologiques. Du coup, ça pourra aider les scientifiques sur Terre qui essaient de comprendre justement le fonctionnement des nuages. Exactement. Et il a aussi amené le matériel qui va servir pour plusieurs expériences dans des conditions de microgravité et notamment pour produire des protéines dans le cadre d'une recherche sur une cause possible de la maladie d'Alzheimer. Oui, en fait, donc, dans cette station spatiale, on fait des expériences dans l'espace, mais qui vont nous servir donc sur Terre. Exactement, c'est pour en fait les propriétés et les conditions très particulières qui règnent là-haut que c'est intéressant pour nous sur Terre. Et ce vaisseau Dragon, c'est ce qui est à noter de particulier, c'est que c'est le seul parmi tous les vaisseaux cargo qui est équipé d'un bouclier thermique. Et ce bouclier thermique, il est indispensable en fait pour pouvoir revenir sur Terre. C'est lui qui va permettre au vaisseau de passer dans l'atmosphère sans exploser. D'accord. Ah ouais. Et il reste combien de temps à amarrer à la station avant d'entrer? Alors cette fois-ci, il va rester environ un mois et il rentrera sur Terre chargé des expériences scientifiques, bien sûr, menées sur l'ISS et puis aussi des déchets. Il y a des humains là-haut, donc forcément, il y a des déchets. Et à son retour, la capsule va pouvoir se poser en douceur dans le Pacifique, freinée par 3 grands parachutes, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran. C'était exactement de la même façon qu'elle avait fait à son dernier voyage, qui remonte à octobre 2014. Ouais, donc ça demande quand même beaucoup de boulot pour approvisionner une équipe de 6 personnes dans l'espace quand même. Beaucoup de boulot et beaucoup d'argent aussi, parce que de lancer une fusée, ça se compte en milliers, en millions même de dollars. Mais ça vaut le coup parce que contrairement aux satellites qui sont porteurs d'expériences scientifiques sans équipage, la présence de cet équipage justement permanent, ça offre l'avantage de permettre d'effectuer à la demande toutes les manipulations qu'on veut sur les expériences. Donc surveiller, ajouter,
fait des réparations ou des remplacements de composants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les astronautes qui sont responsables de ces expériences, mais bien les scientifiques au sol. Et donc, ils vont pouvoir accéder, grâce à l'équipage, aux résultats de leurs expériences. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir modifier certains paramètres ou lancer des nouvelles expériences en fonction des résultats obtenus. D'accord. Donc, du coup, le travail sur Terre est aussi important, en fait, que le travail qui se déroule dans l'espace. Même plus important, je dirais. Et on ne se doute pas une seule seconde des personnes qui sont derrière tout ça. En fait, ce sont des personnes comme vous et moi. Nous allons suivre trois jeunes passionnés qui débutent dans le secteur et voir à quoi ressemble leur quotidien. La nouvelle génération de l'espace, c'est parti, on regarde. Ils font partie de la nouvelle génération de la recherche spatiale. Ces jeunes ingénieurs entament une carrière, la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. J'aime beaucoup travailler sur le rover d'exploration de Mars parce que c'est vraiment cool. La plupart des gens seraient d'accord pour dire que travailler sur un engin qui va aller se balader sur Mars, c'est vraiment cool. Le plus sympa dans mon travail, c'est de piloter un engin spatial qui se trouve sur une autre planète. C'est quand même cool. Il y a à peine 5 ans, mon plus grand rêve, c'était simplement de pouvoir toucher quelque chose qui allait dans l'espace. Et aujourd'hui, je conçois des instruments qui vont dans l'espace. C'est incroyable. Maria nous guide dans une célèbre institution d'Helsinki. Au sein de l'Institut météorologique finlandais, on établit des prévisions météo et on mène toutes sortes de recherches sur l'Arctique, sur les océans, sur la météo spatiale. Et on a un petit laboratoire à l'étage en dessous où on élabore des instruments pour l'espace. Dirigeons-nous vers le laboratoire spatial. C'est ici. C'est la partie principale du labo. Derrière moi, il y a une salle blanche où tout se passe et où les instruments de vol sont mis au point. Au nord de Londres, découvrons à présent l'univers d'Abby. On doit porter cette blouse qui est antistatique, une charlotte sur les cheveux et des protections sur les chaussures. Et si vous avez une barbe, vous devez la couvrir. J'aime venir ici quand on a eu une longue et dure journée, que l'on marche en regardant par les vitres qui donnent sur la salle blanche et qu'on se dit « ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-là, je l'ai inventé ». Abby nous en dira plus dans un instant. Direction l'Espagne pour rencontrer Marc. Voici l'antenne que j'utilise tous les jours dans mon travail. Et en gros, chaque jour, le satellite passe au-dessus de nos têtes, on communique avec le satellite, on envoie des commandes, on en reçoit. Ici, on est au milieu de nulle part, à Cebreros, à peu près à 20 km de la ville la plus proche. Cette antenne a été construite ici parce qu'on voulait minimiser les interférences comme celles générées par les téléphones portables. Maria, Abby et Marc ont déjà de grandes responsabilités. La première travaille sur un mini-satellite et des instruments météo pour le module EDM de la mission ExoMars de l'ESA. La deuxième élabore la structure du rover ExoMars, tandis que le dernier planifie le pilotage du satellite de l'ESA, Venus Express. So this is Venus Express. Donc voici Venus Express, c'est le satellite sur lequel je travaille. Un engin qui, en réalité, est 4 fois plus gros que cette maquette. Comme la plupart des satellites, c'est un cube et autour, il y a plusieurs panneaux qui ont différentes fonctions. Ici, nous avons le nanosatellite Alto 1. Il a été, pour la majeure partie, élaboré par des étudiants et quand il sera prêt, ce sera le premier satellite entièrement produit en Finlande. C'est le premier projet auquel j'ai participé une fois mes études terminées et même avant la fin de mes études. Je participe à ce projet en tant qu'ingénieur structure. Je dois m'assurer que la structure du corps du véhicule, que l'on appelle la baignoire et qui contient tous les instruments du rover, comme les panneaux solaires et d'autres pièces et petits éléments, est assez solide pour pouvoir supporter le lancement, l'arrivée au sol et l'entrée dans l'atmosphère et tout ce genre de choses. La première chose qu'on voit ici, c'est l'antenne à gain élevé qui nous permet de communiquer avec le satellite. Grâce à elle, on envoie des commandes et on reçoit des données.
On doit bien commencer quelque part. Au début, je déterminais la taille des supports et des cales. Je devais dire combien de supports étaient nécessaires le long des panneaux pour résister à leur poids et combien de fixations il fallait ainsi que leur taille. Donc j'ai commencé en travaillant aux supports et aux cales. Nos trois jeunes ingénieurs ont choisi ces métiers pour explorer notre système solaire et peut-être éclaircir ces mystères, une motivation qui les anime parfois depuis longtemps. Je voudrais vous montrer l'un de mes livres préférés quand j'étais enfant. Le chapitre qui m'intéressait le plus, c'est celui sur la planète Vénus. Parce qu'il y a cette drôle d'enseignante qui veut envoyer sur Vénus une statue qu'elle a faite elle-même. Mais une fois sur Vénus, la statue explose parce qu'à la surface de cette planète, il fait trop chaud et la pression est trop importante. Je pense que c'est à cause de ce livre que, pour moi, la Terre n'est pas l'ensemble du monde. Je sais qu'il y a d'autres mondes et je voudrais les explorer. Le système solaire est aussi une source de fascination pour Marc en Espagne. Cette image que nous avons ici, c'est l'un des résultats que nous obtenons grâce aux opérations sur cette période. En réalité, cette image de Vénus regroupe différentes images. Elle est très spéciale pour moi parce que, lors de mon premier jour ici, je me souviens que mon premier superviseur me l'a montré et il m'a dit « Voici le genre de choses que tu feras ici. Tu travailleras à rassembler différents éléments pour obtenir des images comme celle-là. » Quand j'étais à l'école, j'ai entendu aux informations que des scientifiques britanniques travaillaient sur Beagle 2. À cette époque, je ne savais pas du tout que la Grande-Bretagne avait une agence spatiale et menait des missions dans l'espace. Ça m'a ouvert les yeux sur les possibilités de carrière qui existaient dans mon pays, dans le domaine spatial. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de m'orienter vers ce secteur. Ces trois scientifiques disposent tous d'un master, Maria, elle, est en doctorat. Âgés d'une vingtaine d'années, ils ne vivent pour l'instant que les premières étapes de leur vie professionnelle. Malgré leur diplôme, ils doivent apprendre beaucoup de choses sur le tas. J'ai dû apprendre la soudure, la programmation et comment mener des tests. Je n'avais jamais utilisé de système à aspiration et aujourd'hui je dois en concevoir et contrôler la pression à l'intérieur. Je dois programmer les chambres climatiques, les chambres de température et je dois connaître ces instruments. En général, on commence comme stagiaire ou comme stagiaire de premier cycle. Et on vous donne un projet à développer, mais qui n'est pas essentiel sur le plan opérationnel. Donc, lors de ce stage, notre travail n'a pas de conséquences sur les opérations en cours et ne peut absolument pas endommager un engin spatial. Mais on nous donne une chance d'apprendre, de développer nos compétences et, espérons-le, d'apporter quelque chose d'utile à la mission, au final. Et ça a été mon cas, en l'occurrence. Provide something useful for the mission at the end. I mean, this was my case, for instance. Les défis concrets que l'on affronte dans l'environnement spatial, ce sont par exemple l'environnement thermique, les températures très froides dans l'espace, les radiations ou le vide. Les matériaux ne réagissent pas de la même manière que sur Terre. Certains plastiques s'évaporent dans l'espace. Des métaux et des polymères deviennent friables parce que la température est très faible. J'ai dû apprendre beaucoup sur ces conditions lorsque j'ai commencé ici. Et les débuts ont été parfois laborieux, comme nous le racontent Marc et Maria. Oh, les choses peuvent mal tourner. Récemment, par exemple, j'ai réussi à casser l'un de nos prototypes les plus importants. Donc on a dû recommencer toute la phase de test, ce qui a pris des mois. Cet instrument est alimenté en tension grâce à ces câbles. Et il y avait ces fiches bananes, elles se ressemblent toutes. Et j'ai mélangé le 5 et le 12 volts. L'instrument n'a pas fait boum, mais j'imagine que s'il avait su parler, il aurait dit « j'explose », par exemple. «
Un lundi, on est arrivé dans nos locaux et on s'est rendu compte qu'on avait oublié de mener une opération essentielle au niveau du satellite, ce qui peut aboutir à une mise en veille. Une mise en veille, c'est quand l'engin s'éteint, il éteint tous les systèmes et ne fait plus rien pour éviter d'autres dégâts. En réalité, il y a eu un chevauchement entre deux commandes différentes. Et cette fois-ci, on a eu de la chance. On a identifié le problème et on l'a réglé. Mais si les circonstances avaient été différentes, on aurait pu avoir un énorme problème. Au quotidien, le pilotage des satellites ou encore la construction de rovers ou de stations météo pour Mars requiert compétences, connaissances et implications. Chacun reconnaît avoir de la chance de mener une vie professionnelle tournée vers l'espace. Je pense que l'industrie spatiale est un secteur d'emploi assez privilégié parce que tout en gérant des projets, en respectant des délais et des échéances et en élaborant un produit au terme de toute une série de processus, on peut se rendre dans la zone des salles blanches, regarder à travers les vitres, les éléments de l'engin qu'on a fabriqué, penser au voyage vers Mars et se dire qu'on a participé à tout ça. On n'a ça nulle part ailleurs. Ce qu'on fait essentiellement, c'est rester assis devant nos ordinateurs. Mais si on garde à l'esprit ce que l'on fait, le fait qu'on est celui qui pilote l'engin, qui coordonne tout, qui sait quand telle image a été prise, alors quand on obtient ce genre d'image, on est enthousiaste. Waouh, c'est une image de Vénus qu'on a obtenue. On l'a fait. Il n'y a pas si longtemps, on faisait des tests de vibrations et de chocs sur nos instruments. Et c'était très drôle de les voir secoués, malmenés. J'ai filmé la scène et j'ai montré la vidéo à mes amis. J'aimerais pouvoir voir des installations de tests qui soient encore plus grandes. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais pas en Finlande. Je voudrais voir d'immenses chambres à vide, peut-être des simulateurs solaires. Je pense que c'est ce que je préférerais. Et bien sûr, si je pouvais assister au lancement d'une fusée, ce serait vraiment cool. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à tous les travaux qui sont faits en amont des missions spatiales, alors qu'en fait, c'est un travail primordial. C'est clair. Et derrière ces travaux, y a des gens qui font de leur mieux, qui mettent toute leur passion dans leur travail, qui font des erreurs. Ce sont des humains, comme ces trois jeunes qu'on a pu voir, et qui font en sorte qu'on puisse aller toujours plus loin dans notre connaissance scientifique. C'est vrai qu'ils avaient l'air quand même très passionnés, ouais. Ces trois jeunes. En tout cas, on leur souhaite une belle carrière. Et puis, peut-être qu'ils auront donné envie à nos téléspectateurs de les rejoindre, hein, qui sait. Qui sait, peut-être. Merci beaucoup, Mara. Merci à toi et merci à tous. Et on rejoint Davina pour demander le programme. Et on accueille de nouveau Davina qui vient nous parler du dessin sur sable. Et oui, encore une fois, on va aller du côté du Vanuatu pour parler donc des dessins sur sable. Donc c'est une tradition et une composante vraiment importante de notre, enfin de la culture vanuataise. Donc je me sens concernée. Bien sûr. Il y a d'ailleurs une légende qui est rattachée à cette pratique, hein, qui vient de l'île de Malicolo. Donc qui dit que en fait, pour pouvoir passer de l'autre côté, quand tu meurs, en fait, pour pouvoir passer de l'autre côté et permettre à ton âme d'évoluer, il faut que tu passes par une petite, on va dire, un petit chemin. Comment dire il y a une petite énigme qui t'est proposée. Ah, une épreuve. Voilà. Donc, le passeur d'âme va te dire, bon voilà, je dessine un dessin là, et puis j'efface une partie, et toi, sur le sable, tu dois savoir refaire l'autre moitié. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, qui va te permettre d'avancer ou pas dans ton cycle. C'est son passeport pour le monde des morts. Voilà, donc d'où, avant, l'utilité de savoir dessiner sur le sable, quoi. Oui. Sinon, t'avais pas trop de chance d'aller au paradis. D'accord. Alors, ça, c'est l'explication qui est donc liée aux croyances. Hein. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est exactement le dessin sur sable? Alors, les enfants, le pratique, c'est surtout pour jouer, mais... dans l'ancien temps, enfin les générations avant nous, ils l'utilisaient pour communiquer et laisser des messages et se parler. Donc voilà, et puis il faut savoir aussi que s'ils avaient utilisé ces dessins sur sable pour se parler, c'est parce que ils ne parlent pas tous la même langue, il y a 80 groupes linguistiques différents. C'est un moyen de communiquer aussi. Tout à fait, et de se comprendre sans avoir à se casser la tête. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Voilà, tu t'apprends le dessin sur sable et là, tout le monde se comprend.
D'accord, ok. Donc c'est une symbolique universelle entre toutes tous les Vanuatés. D'accord, ok. Donc voilà, et puis la plupart des dessins avaient des fonctions différentes, mm-hmm. selon que tu voulais laisser un message, dire bonjour, signer de ton passage, enfin voilà, fallait vraiment, c'était, on va dire, bien propre à leur temps, et c'était vraiment utilisé en fonction de leurs besoins. Après, il fallait aussi, pour ceux qui le pratiquaient, hein, enfin, la plupart d'entre eux le pratiquaient, mais il fallait aussi savoir la signification de chaque motif, tu vois. D'accord. Mais aujourd'hui, on a les portables, on a Internet, et du coup, ça doit être une tradition qui se perd un peu, non? Non, je ne dirais pas que ça se perd, je dirais juste que ça a une autre importance aujourd'hui. Avant, c'était plutôt pour se parler, aujourd'hui, ça réunit les gens entre eux. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui a, on va dire, ce don, hein, entre parenthèses, de dessiner sur le sable, eh bien, dans son village, quand il va pratiquer ce dessin sur sable, eh bien, ça va réunir tous les gens autour d'eux. Toutes les générations. Voilà, toutes les générations. Les petits vont venir regarder, jouer, et les mamies à côté vont raconter justement les histoires liées à ces pratiques de dessin sur sable. Donc, on va dire que c'est vraiment unificateur. D'accord, donc ça n'a plus le même rôle. Mais bon, il reste tout aussi important, hein, toujours important de le pratiquer. Est-ce que tu peux expliquer donc à nos amis téléspectateurs en quoi ça consiste exactement le dessin sur sable? Je vais faire mieux que ça même. Je te propose qu'on regarde quelques petites images de notre collègue Mara Lourdes. Elle est allée pour nous donc, filmer ces fameux dessins sur sable avec les explications. Donc je vous propose qu'on regarde tout de suite. Where I come from, we call it uli, U-L-I. Uli means you could use the tip of your finger. If it hurts, change it with another finger. But you have to use only one or two. Uli means do it with your finger. Use your finger as your pencil or your pen. That is only it. But don't even use stick or pen or pencil. You could use it the little form of you. Around the age of 6 years old, then we have to teach our kids. Because our traditional drawing, that is for both men, women, and kids. We start off with a very beginner's drawing, like a symbol of one, number one, a symbol of man, a symbol of woman, a symbol of whatever activity, every movement. We're doing politics, we have to do a symbol of politics, a symbol of marriage, a symbol of our death. Everything has to be drawn along with a custom story. A traditional drawing that I'll be doing now, this is a very, very powerful teaching because lots of information has to be told while we are drawing along. This is how we communicate, and this is the evidence of a history. It is a written language. And this drawing is talking specifically about our power here in the South Pacific, or our totem. If I'd like to know a drawing from someone, but I haven't got any traditional money, then I have to give one of my drawing to him. Then he has to exchange with one of his drawing to me. And that is how we are passing from generation to generation. Okay. Whenever we do a drawing, then we must always erase or hide them somewhere. And this drawing, this is a custom story or historical story of a root crop, which is a yam. Our custom drawing, it is a continuous drawing. You'll never do mistake on your drawing. Your custom story has to be told. You'll never let go your finger. If you do a mistake, a ruling of a drawing, it says, erase the whole of me.
Otherwise, you'll never achieve what you were thinking. If we never finish, then the language of our drawing, it says, I win you. I am the winner, and you are the loser. Whatever you'd like to be knowing from me, I'll never let it to you, because you never decide to be knowing me. So the meaning of this song means, whenever I'll be coming back, then I'd like you to do a celebration. And that celebration today in the South Pacific, it is only known as Yam Festival. We are doing it here in Kanaki, but in Vanuatu we are doing it. Every islands, every countries around the South Pacific, that is one of our respected festival. Whenever it comes, it comes. We have to do it. The seedlings of a yam, yam shoot, yam six, yam shoot, yam six. Okay, number one. Number one, yes. Okay, numéro un. Each island, we are doing the same drawing. If a man there, a man from Malakulu, draw it over to a man from Mumbai, he must always know. You've got to draw only while you are seeing one person coming towards you, by himself only, or herself only. And this drawing is a symbol of I love you. So, if a young man love a young woman, or if you really love your mom, you really love your dad, instead of talking a lot about what you are having in your heart, you have to draw the reality of your heart. Symbol of our heart, and a symbol of our line, the symbol of our line, and that is a symbol of I love you, a symbol of I love. And to end up with, I'd like to play a love song. Kanaki people, including the people from Vanuatu, we are one family. All the time we have to share what we know, so that it should be taught to our new generation that we are coming. Bonjour Camille, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler botanique et de l'arrivée de 6 variétés de patates douces ici en Nouvelle-Calédonie dans le laboratoire de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, elles viennent d'où? Alors, ces patates douces, ces variétés de patates douces viennent en fait de Fidji. Elles ont été obtenues à base d'une culture de vitro, in vitro. Donc, elles ont été faites au
au centre de ressources génétiques de la CPS, basé donc à Fidji. Alors, comment ça s'est fait? Donc, nous, là-bas à Fidji, il y a un laboratoire de culture in vitro. Donc, c'est une chambre de culture qui héberge en fait des variétés de légumineuses. Donc, il n'y a pas que de la patate douce, hein. Il y a aussi de l'igname, il y a aussi de taro, des maniocs, et ce sont des variétés qui viennent de plusieurs endroits différents. Il y a par exemple 3 variétés qui viennent des États-Unis, une du Japon, une de Hawaï ou encore du Pérou. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la culture in vitro? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Eh bien, en fait, c'est une biotechnologie qui existe depuis le 19e siècle. Mmh. Et c'est une méthode qui met en avant, qui utilise tous les organismes vivants ou encore des éléments de ces organismes vivants. D'accord, mais pourquoi une telle méthode, en fait, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à plusieurs choses. Ça sert d'abord à comprendre, à mieux comprendre le mécanisme du vivant. Et puis, et ça c'est essentiel, la culture in vitro a pour but d'améliorer les espèces végétales au niveau de la production, au niveau de la conservation, au niveau des qualités gustatives et nutritives, notamment en teneur en sucre et en protéines. Et puis, il y a un but aussi essentiel, c'est de préservation, de sauvegarde des espèces rares, oui. Et de les multiplier en grand nombre et bien sûr d'améliorer les connaissances. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est pour ça qu'on va l'apporter un peu ici. Alors en pratique, ça donne quoi cette culture? Eh bien, cette culture in vitro n'est possible que dans un environnement bien sûr spécifique. Il faut savoir que ça se fait en laboratoire, sous un contrôle d'un espace miniaturisé, la température et l'éclairage sont optimisés dans un milieu stérile et qu'il faut aucune bactérie pour éviter que les champignons ne puissent donc se développer. Donc ce sont des plants qui sont cultivés dans des petits récipients, voire même dans les tubes à essai, voilà. Et donc on obtient des vitroplants. D'accord. De tout ça. Alors, il faut donc un cadre strict, hein, c'est nécessaire pour la culture in vitro. Donc ça se fait à Fidji, mais ici, comment on fait? Eh bien voilà, ici, ça arrive petit à petit. On l'a dit, je l'ai dit en début de sujet, 6 nouvelles variétés de patates douces qui sont arrivées le 9 décembre dernier au laboratoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous y étions, nous avons assisté à cette découverte. Donc, je vous propose de regarder tout ça en images. Aujourd'hui, nous avons reçu 6 variétés de patates douces qui viennent d'origines diverses. Elles sont arrivées en vitroplan, donc il permet de garantir une sécurité sanitaire. Et donc ces variétés-là, elles sont connues, il y en a qui sont connues dans le monde entier, qui sont produites en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Et il y en a d'autres qui ont des caractéristiques particulières, c'est pour ça qu'on les a fait venir, quoi. Un vitroplan, c'est une culture de plantes dans un milieu stérile, dans un petit contenant. Le support nutritif est une gélose qui contient des sucres et tout ce qui sert à nourrir la plante. Le contenant ici que nous venons de recevoir est un sachet en plastique. On peut faire des cultures dans des tubes. On aperçoit ici la gélose, c'est le milieu nutritif et la plante a poussé grâce à cette gélose. C'est fermé hermétiquement parce que c'est stérile. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de champignons. Ces vitroplans ont certainement été obtenus en coupant la tige en plusieurs endroits. C'est l'intérêt de la culture in vitro. À partir d'une seule tige comme ça, on peut faire 5 ou 6 morceaux et du coup avoir après 5 ou 6 plants nouveaux, tout neufs. Ceux-ci ils ont été produits par le laboratoire de culture in vitro de Fidji. C'est eux qui ont une grande collection de vitroplans, de taro, d'igname, de patates douces, etc. pour tout le Pacifique. On va ouvrir les sachets et puis délicatement, on va sortir les plants du sachet. On nettoie la racine sous l'eau et puis on plante délicatement. On les ouvre. Il
faut enlever toute la gélose qui est autour. C'était le milieu nutritif qui lui permettait de pousser. L'intérêt de la culture in vitro, c'est la production en grande quantité de plants qui sont indemnes de maladies sur des petites surfaces. On peut les produire à n'importe quelle saison. On a des collections du coup pour l'agroalimentaire et aussi pour la protection de plantes qui sont en danger. En Calédonie, on a le virus de la petite feuille, enfin la maladie de la petite feuille, c'est un phytoplasme. Et donc on a du mal des fois à avoir une régularité dans les rendements, quoi. Et donc le fait d'avoir des vitroplants qui sont indemnes de tout virus, ça nous permet de garantir des rendements. Et donc aussi, on va jouer aussi, on va regarder des variétés qui ont des cycles assez courts, quoi. Parce que plus on va avoir un cycle de patate douce plus long, plus il va être sensible aux attaques de rongeurs, aux attaques de ravageurs tels que les charançons ou les maladies, etc. quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir assuré une bonne production en ayant un cycle assez court et éventuellement voir comment elle se comporte par rapport à la sécheresse, voir au niveau nutritionnel aussi, si elle demande beaucoup moins d'engrais que les autres variétés. Et donc tout ça, ça passe par des tests, des essais. Et après, on met dans le pot. À partir du vitroplant, il faut bien compter 2-3 mois en pépinière pour assurer la bonne reprise. À partir de là, on va les acclimater au fur et à mesure au plein soleil. Donc on va les sortir de la serre où il y a un pourcentage d'ombrage. On va les sortir au soleil pour les acclimater au fur et à mesure aux conditions climatiques extérieures. Et donc par la suite, on va faire 2-3 pépinières dans nos stations. Et par la suite, une fois qu'on aura assez de matériel végétal, là, on pourra diffuser aux producteurs et faire des essais délocalisés, quoi. Donc à partir du moment où on reçoit les vitroplants pour tirer des milliers de boutures, il faut compter environ un an, quoi, pour la patate douce, quoi. Après, pour l'igname, c'est un peu plus long. L'igname et le taro, c'est un peu plus long, comme c'est des cultures avec des cycles de 8-9 mois. Donc ça met du temps aussi à faire une multiplication végétative, quoi. Attention de ne pas les casser. Un peu se veut plier quand même. Oui, oui, oui. Ce qui est bien important, c'est d'enlever bien la gélose qui est collée aux racines sous l'eau avant de mettre dans le substrat. Donc là, ils vont avoir besoin après de rester sous surveillance 3-4 semaines normalement, sous une cloche, à l'humidité, bien arrosée. C'est ça l'avantage de la culture in vitro aussi, c'est que sur un petit espace, dans un petit sachet, on peut avoir plusieurs pieds. Hop. Je vais remettre la racine en bas. Il faudra revenir dans un mois à voir la taille qu'ils ont. Il faut être méticuleux et après il va falloir bien les couvrir et bien les surveiller. Donc là, voilà, les petits plants, ils ont été sortis de leur sachet. On les met sous cloche pour qu'ils gardent un petit peu d'humidité parce que dans le sachet, ils étaient bien en confinement. Et là, il vaut mieux qu'ils restent bien à l'humidité pour ne pas dessécher. Voilà un sujet de Stéphanie Marlier et Elena Navoutou. Alors, un vitroplant, comment ça s'obtient, Camille? Eh bien, ça s'obtient tout simplement donc, en laboratoire, à partir de la culture de tissus ou même de cellules isolées provenant, bien sûr, de la plante mère.
Et donc, nos fameux plants de patates douces, qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant? Eh bien, aujourd'hui, ils sont protégés, ils sont surveillés en permanence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont dans les locaux de Port-la-Guerre. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps pour expliquer pourquoi tout ça. Il faut savoir qu'il faut une surveillance très accrue autour de ces plantes. Donc, du coup, il y a une personne spécifique qui va s'en occuper. Mais là, c'est les vacances scolaires, donc à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bon, ça va reprendre très bientôt, mais en tout cas, de décembre à aujourd'hui, c'était encore en vacances. Et donc, c'est donc à Port-la-Guerre, donc à la station de Port-la-Guerre, que ces plants ont été transférés. Et là, le travail, c'est donc de surveiller avec attention ces plants, parce qu'il faut le rappeler, ils ont été sortis de leur sachet fermé, sortis du milieu gélosé dans lequel ils étaient. Donc la gélose, il faut savoir, c'est donc une substance nutritive pour ces plantes. Et donc ils ont besoin de beaucoup de surveillance et surtout de faire attention à ce qu'ils ne se déshydratent pas parce que sinon on perd le plant. Donc voilà, ils sont donc à Port-la-Guerre. Pour le moment, ça va petit à petit. Ils sont très fragiles encore. Ils doivent s'habituer au climat de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on nous a dit que ces plants avaient à peine pris un centimètre en quelques mois. D'accord. Donc, bon, ils ont besoin encore d'un peu de temps pour s'habituer au climat de la Nouvelle-Calédonie pour, en fait, pour être mis en pépinière et donc de développer l'activité, la récolte, la plantation autour de tout ça. Donc, voilà, ça devrait se faire dans trois semaines, donc affaire à suivre pour le moment. Ça pousse petit à petit, l'oiseau s'acclimate. Bon, voilà. Tu nous tiendras au courant alors. Exactement. Merci beaucoup Camille. Merci Chloé, à bientôt. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain.